OK, on est de retour. Puis, je vais faire un autre exemple. On est toujours dans la question, étant donné une population dont mu est égal à 100 et sigma est égal à 15, quelles sont les chances de trouver un échantillon dont la moyenne va être, tantôt on a fait, va être par exemple d'une certaine valeur ou plus, on a fait va être d'une certaine valeur ou moins. Puis là, je vais faire quelles sont les chances de trouver, par exemple avec un échantillon de 40 personnes, une moyenne qui est entre, disons, entre 101 et 105, par exemple. Et les chances de trouver une moyenne qui est entre 101 et 105. Bon, vous commencez à, je pense, savoir ce qu'il faut que je calcule. Il faut d'abord que je calcule l'erreur type. L'erreur type est ça. Ça, OK. Et la racine carrée de 40, c'est 6,32. 15 divisé par 6,32, ce que je vais calculer tout de suite, 2,37. Donc, j'ai ma distribution ici. Je sais que ma moyenne des moyennes serait 100. OK. Et je fais des bonds de 2,37. Donc, 102,37, 104,74 et ainsi de suite. OK. Donc, je vais maintenant, ma question, n'oubliez pas, les chances de trouver avec un échantillon de 40, on a déjà mis là, donc on en tient compte ici, une moyenne qui est entre 101 et 105. OK? Donc, je vais maintenant, oh, attendez, faut que je mette ça sur pause. OK, désolé, quelqu'un qui est rentré dans mon bureau. Je vais maintenant calculer, donc, le Z pour 105. C'est égal à 105 moins la grande moyenne de 100. J'espère que vous voyez bien, là. C'est vraiment broche à foin, mon affaire, mais c'est comme ça, OK? Sur 2,37. OK? Ça me donne donc 5 divisé par 2,37. Et c'est parti. 5 divisé par 2,37 est égal à 2,11, on va dire. OK. Donc, un score Z de 2,11 pour 105. Alors, 2,11. Donc, 2,11 erreur type, dans le fond. 1, 2, puis peut-être 1,11 qui va être comme ici. OK. Donc, ici est le score Z pour 105. OK. Je vais aller chercher dans ma table Z la proportion des scores qui est entre la moyenne et ce point-là ici. Donc, pour un Z donc de 2,11. Regardez ça ici. Encore là, c'est peut-être pas super clair, mais je m'excuse. 2,11. C'est 0,4826. Donc, ça ici, c'est 48,26%. OK. Pas de problème. Je vais prendre maintenant, calculer le Z pour 101. OK. Donc, je recommence. 101 moins 100 divisé par 2,37. Ça va évidemment donner 1 sur 2,37. Ce qui va donner quoi? On va le savoir tout de suite. Ça donne 0,42. Un Z de 0,42. Un Z de 0,42, donc ça veut dire que le score Z ici est
est à 0,42 erreurs type de la moyenne. Fait que, comme, c'est ça, c'est la moitié, juste un petit peu moins. Fait qu'on est ici. OK? On est ici. Ça, c'est ce que le score Z pour 101, qui est 0,42 erreurs type. OK? Ouais. En fait, ça se peut peut-être que ça vous mélange parce que j'ai mis les valeurs ici, mais ça serait un erreur type, deux erreurs type, trois erreurs type. OK? Puis ici, moins un, moins deux, moins trois. Oups, la feuille vient de tomber. Ça fait rien, c'est live. Donc, ma question était, les chances de trouver une moyenne avec 40 qui est entre 101 et 105. Donc, ça serait ça ici. Là. Ça serait cette proportion-là, ici. Et celle-là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est, dans le fond, le plus grand Z moins le plus petit Z, donc le Z de 105 moins le Z de 101. Donc, ce qui veut donc dire 48,26 moins... oui, je peux encore aller voir pour le Z de... attendez que je me retrouve où je suis. Un Z de 0,42. On va aller voir ça sur la table des Z, qui est celle qui vient de tomber. Ça fait rien, j'en prends une autre. Un Z de 0,42, 0,4, 1, 2. C'est 16,28. OK, 16,28. OK, on va dire ici. Donc, ça c'est la proportion qui est pour le 105, 48,26. Ça, c'est la proportion qui est pour le 0,42. 16,28. Et quand je fais l'un moins l'autre, fait que ça, c'est des trucs, c'est les mêmes calculs là, que je ferais si je faisais un score Z là, sur des scores individuels. Là. C'est la même chose que vous avez fait dans l'examen. La seule différence, c'est uniquement la seule différence, c'est l'erreur type. J'espère que vous commencez à comprendre ça. C'est uniquement l'erreur type qui est la différence dans tout ça. Il n'y a aucune différence dans la logique du calcul. 31,98. Donc, ça veut dire que si j'ai une population dont la moyenne est 100 et l'écart type est 15, et que je prends un échantillon de 40, j'ai 32% de probabilité que cet échantillon-là ait une moyenne entre 101 et 105. Okay? Évidemment, comme on a appris tantôt, ça changerait si je passais de N40 à un N de 100, OK? Ou à un N de 20, par exemple. Je vous encourage à l'essayer pour voir comment ça changerait. OK? Donc, dans les vidéos jusqu'à date, j'ai fait des exemples où la question est toujours, étant donné une moyenne de 100 puis un écart type de 15, puis que tu vas prendre un échantillon d'un certain nombre N40 ici, quelles sont les chances de trouver une moyenne qui est égale ou supérieure à une certaine valeur, ou bien égale ou inférieure à une certaine valeur, ou bien qui est entre deux valeurs, comme dans cet exemple-ci. C'est très important que vous appreniez à reconnaître les problèmes. Okay? Il y a des problèmes qui seront dans les examens, celui à venir, le final, dans des devoirs, qui vont être ce genre de problème-là. Étant donné mu et sigma, et puis n, quelles sont les chances que x soit cette valeur-là ou en haut, cette valeur-là ou en bas, ou bien entre celle-là et celle-là, ce qui est le cas pour cet exercice-ci. Okay? Donc, je vais, dans les prochaines vidéos, on va partir avec un autre genre de problème, où c'est pas un problème comme ça, c'est une autre question. Auquel on va faire face. OK? Je vous laisse là-dessus.